Bachmann, oui, très impressionnant aujourd'hui. Je pense que c'est la plus belle course qu'il ait fait depuis qu'il est arrivé à la maison. Trois nœuds au vent, j'avais un peu peur. Hein. C'est pas évident de faire le tour trois nœuds au vent avec un numéro 15 derrière la voiture. Voilà, donc il a donné un bon coup de rein dans le dernier tournant. Il a bien gagné. Moi, il m'a impressionné aujourd'hui. Donc c'est de bonne augure pour l'avenir. Est-ce que tu connais ses limites? On connaît ses limites, oui. Il va pas non plus être indéfiniment imbattable. Mais bon, je pense que le cheval est sur la montante. Il a encore des belles courses à courir. Il est hongre. Donc voilà, et en France, ça va être restreint. Voilà, on va peut-être courir le prix de Munich le 8 février. Il aurait empaillé 500 000 à l'Autostar aussi. Et puis après, on verra. Francky, Beckmann, c'est un petit peu ta banque cet hiver? Bah oui, il a fait un super meeting, hein, c'est un sacré cheval. Il est très maniable et en plus courageux. C'est vraiment une voiture de course et puis il progresse à chaque fois. Donc tant mieux, hein, c'est vraiment un chic cheval. Pour le situer, même s'il est hongre, on peut le dire qu'il est juste en dessous les bons? Ouais, voilà, ouais, c'est un cheval qui est juste en dessous les bons. Voilà, c'est un cheval, on ne sait pas trop ses limites parce que finalement il progresse à chaque fois. Donc on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Mais bon, 5 victoires de suite à Vincennes, c'est beau quand même. Hein.